Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, derrière soi-même. Et je vais réaliser donc une écharpe dans les beaux colliers, dans les bonnes couleurs, dans les tons bleus et en motif étoilé. Donc vraiment c'est un motif que j'adore et donc je vais le réaliser pour cette écharpe. Très sympa, tout doux, agréable. Je vais vous montrer donc le matériel dont vous avez besoin pour la réaliser. Donc on est parti, donc on a notre pelote. Donc vous voyez donc dans les tons pétrole et argenté, donc c'est le Lion Brand. Et vous allez voir ici donc le contenu, ce qu'il y a dedans, donc 285 mètres. 78% d'acrylique et le reste de laine. La couleur c'est 210 silver. Alors c'est parti, je vais trouver le début. Ça serait bien qu'on puisse trouver donc le bout de fil. Donc, on tire un petit peu donc notre fil, on se laisse et c'est parti. Donc à nouveau, hein, on les retire bien, là il faut avoir une bonne marge, j'en ai 3 mailles sur mon crochet, encore un jeté. Et encore je vais aller chercher une nouvelle maille à positionner sur mon crochet, donc bon, j'en ai 5. Maintenant, je mets mon doigt, mon majeur au milieu. Je mets le fil par-dessus, comme ceci. Je sors, je peux ressortir mon doigt et je vais du coup travailler dans cette partie. Et donc, je fais les mailles coulées. Donc, ce que ça donne. Voilà, donc on va continuer. Donc, je vais piquer ici, cette partie-là, donc 3, on est 5, on sécurise et on fait une maille coulée. Donc on répète, encore une fois, deux fois. Donc j'en ai 5 sur mon aiguille. Donc on met le doigt. Et on fait notre maille coulée. Et ainsi de suite. Donc là j'en ai 5, je vais faire ça une 6e fois. 3. 5. Donc là maintenant j'en ai 6 blocs et on va faire un 7e. Donc là, une fois, on passe au travers. Et à nouveau. Alors, maintenant, on va faire le retour. Donc, je tire, je fais mon jeté. Je vais piquer ici, dans ce petit maille du bout. Et je fais, donc, je me fais mes 5. Maintenant, alors là, maintenant, on fait un jeté. Et je vais
aller dans ce trou-là. J'en ai 2, 3, 4, et encore une fois, il faut que j'en ai 6 sur mon crochet au final. Et de quoi faire donc le suivant maintenant. Quatre, un jeté, six. Donc vous voyez, là j'ai mon crochet qui est plein. Et on va glisser le fil à travers le tout. Voilà. Et on fait là et on fait une maille coulée. Voilà. Donc vous voyez, on a le début de notre étoile qui se forme. Donc on a le centre, on a 3, après on a encore, on va continuer, hein, pareil, de l'autre côté. Donc je tire, et ici, dans ce même espace, hein, je vais travailler ici, donc je fais mon 3, on est 5, et maintenant ici, je vais, donc 6, et dans celle-ci, dans l'autre espace, donc 4, 5, 4 et 6, et pareil je vais passer le fil maintenant à travers toutes les mailles et avec et je vais tout nouer avec une maille coulée. Donc vous voyez, donc là on a 4, bon, ça s'assemble ces étoiles et on va continuer notre rangée de cette manière. Et dans la suivante, 4 et 6. On met le doigt devant et puis on se fait créer un espace comme ça pour faire une maille coulée et ensuite comme ça vraiment nouer le tout. Notre gros paquet de mailles. Et c'est reparti. Ok. Donc voilà, on continue, on l'agrandit, donc j'en ai fait 3, 5, je vais piquer dans le prochain espace, j'en ai 6, 6 mailles sur le crochet, et l'espace suivant, donc la maille que j'ai, c'est parti, je fais la même chose. Suivant. Donc 2, 5, deux, quatre, six. Et
Et avec tout ça, on a terminé donc notre première rangée. Et on continue donc avec la suite. Donc on fait un jeté. Donc 2, 4. Et 6. Et je vais chercher mon fil. Je passe au travers le tout. Et je vais faire une malle coulée avec le fil de laine que j'ai gardé avec mon bout de doigt. Et donc j'ai mon étoile avec 5 pétales. Donc là aussi j'en ai déjà 5. Et puis on va continuer la sixième. Et on va tout terminer. J'en ai 6. Allez, la suivante encore. 2, 4 et 6. Donc je positionne mon doigt, je traverse le tout et je fais ma maille coulée. Et voilà, donc on va voir nos étoiles qui se positionnent les unes sur les autres. Et puis vous voyez, donc là j'ai ma structure avec 6 pétales, 6 embouts. Et on continue encore cette rangée avec toutes les étoiles. Donc 2, 4, 6. Prochaine ouverture. 2, 4, 6. Voilà. Donc nos prochains, l'autre, donc la suivante est aussi terminée. Donc maintenant on continue. 2, 5. Et ainsi de suite. Tout le long de notre rangée. Donc 2, 4, et 6, et 2, 4, 6. Et voilà, donc maintenant c'est bon. Deux, quatre, six. Et deux, quatre, six. Ici, dans cette maille-là. Voilà. Donc on a notre deuxième rangée qui est complète. Vraiment sympa, très épais, hein, parce que bon, bah vous avez vu, on fait vraiment des paquets de laine. Et puis on a une laine aussi qui est elle-même épaisse. Et puis moi, bon, cette petite touche d'argenté, c'est vraiment sympa. Donc je vous montre comment on commence donc notre rangée encore. Donc je vais montrer. Voilà. 3 et 5. Donc ça, pour la hauteur, on fait notre petit paquet. Comme ceci. Et maintenant après on continue. Donc et 5.
notre jeté et on va les paquets de 6 maintenant, on nous fait les deux paquets de 6 et ainsi de suite. Donc là je suis déjà presque à la fin de ma rangée hein. Donc voilà donc deux rangées et là donc nous sommes à la fin, j'ai un petit peu de reste et je vais faire le dernier paquet. 5, 2, 4, 6, et l'autre paquet de 6. Voilà, donc on passe au travers, je vais faire une maille coulée ici. Et voilà! Vraiment super! Maintenant je vais utiliser la fin de mon fil vraiment pour faire le travail de finition, etc. Donc c'est à peu près 130 cm de long que j'ai. Hein. Donc 15 cm de large. Voilà, on voit le pot dégradé de couleur. Hein. On a le pétrole, argenté, de nouveau pétrole, argenté, pétrole, argent, enfin les tons bleus, argenté, voilà, c'est ces petites. C'est ce que ça donne, ce petit dégradé de couleur avec cette pelote de laine. Donc voilà, très simple. C'est un motif assez intéressant. Hein, voilà, là, on fait tout ça pour nouer notre écharpe. Pour faire... Vous n'êtes pas obligé de faire cette partie-là si vous préférez l'avoir comme elle était avant. Donc en longueur, sans la fermer. Voilà. Donc maintenant, les deux... finition terminée hein, donc après on a juste à faire des petits coups de couture pour pouvoir avoir pour consolider le tout et après ce sera bon. Je vous remontre du coup l'écharpe, ce que ça donne, résultat final. Et voilà. Donc vraiment un motif très sympa, un peu peut-être plus compliqué que des motifs plus classiques, hein, mais vraiment faisable et vraiment qui donne un résultat final top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo, et on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idée à réaliser soi-même. Salut !